Bonsoir à tous. Ouais, normalement le micro marche. Bienvenue pour ce deuxième live sur Tiny Tina's Wonderland. Ce soir, on va live peut-être 2 petites heures, quelque chose comme ça. Il est 20h30. Je pense qu'à 22h30, 23h, on s'arrêtera. On va tester un petit peu. On va continuer d'avancer dans l'aventure principale. Ça va être rigolo. Et voilà, on va s'amuser, on va rigoler un coup, ça va être marrant. Hop, normalement vous avez le son du jeu, je vais le monter un peu parce qu'il est très faible dans mes oreilles. Hop, non, je peux juste faire ça. Et toi? Ouais, c'est bon, il apparaît. Trop bien. J'ai aussi bougé parce que j'ai vu un peu la cam n'était pas forcément très bien placée, je l'ai changé de côté. Donc normalement ça devrait être un petit peu mieux. Non, je peux faire ça aussi. Ça marche pas. Ouais, c'est pas encore tout ça. Mais il faudrait que je re-setup mon stream deck qui est plus encore très bien setup. Hop. Tu n'as pas le fantôme d'une chance. Ça sonne pas de... Oh putain, j'ai bien aimé le lag là, c'était rigolo. Mais j'ai chaud. Ah, je suis plus frais. Option. On va me réduire la sensi parce que... En fait, je la trouve un peu haute là maintenant. La réduire de 5. La réduire de 5 là aussi maintenant. Bonsoir. C'est parti pour entendre la même phrase 45 fois. Exactement, comme on dit. Vraiment. Wata! Ouh! Ça va, je vais canner. Je vais totalement peut-être canner. Je sais pas c'est quoi ma deuxième main. J'en ai fait qu'une bouchée. Oh putain, frère, t'es fort toi. D'huile. Oh putain, ça c'est d'huile. On va reprendre la rafale 4 coups parce que c'est pas trop mal. Ah non, du coup c'est mieux en fait. Et ça c'était quoi déjà? Ah oui, c'était un gros. Un coup par coup mais qui faisait pas mal mal. C'était rigolo. Ah, je me... Elle a grandi. Encore le temps de t'enfuir. On va essayer de la buter. Essaye encore. La birdo là. C'est pas le bouton, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ce que je veux. J'ai buté. On se débarrasse pas de moi comme ça. Elle ruine tout ce que j'aime quand je tue des ennemis, à savoir les faire taire pour de bon. Dans le mausolée, un coffre attire votre attention. Ouh. Ok, ça sert à rien, ça c'est... Mange pas ça. Ah non, hein. Mange pas ça, non, hein. Oh. Normalement, j'ai un peu reset-up la chaîne Twitch pour que ce soit un peu mieux. Je vais sûrement avancer durant les vacances sur différents projets que j'ai en ce moment. Dont faire cette histoire de Picross dont on avait parlé la dernière fois, qui peut être bien rigolo. C'est un sort de magie noire. Tout faire mes dégâts en santé, ouais, ça c'est cool. Transforme mes dégâts en santé, recharge. Oh, la magie noire permet de voler de la vie. Ça a l'air maléfique. Ou plutôt... J'ai le droit de tous les prendre. Rigolo. Donc ça, c'est lequel que j'ai pris? Ça doit être ça, non? C'est ça, alors? Ouais. En fait, celui que j'ai est mieux. Un côté basique.
J'aimerais bien avoir du dégât quand même. Putain, mais l'autre il a un meilleur dégât. On va tenter ça, on va voir. Ok, on rechangera. Je vois qu'on s'adonne au pillage de tombes. T'es peut-être moins insipide que t'en as l'air. Mais j'aurais quand même la lame avant toi. Et si on faisait un peu mieux connaissance dans un coin trop. Elle est bizarre la madame. On va augmenter la constite parce que en fait, je trouve que ma constite est vraiment naze. Et elle va augmenter la stat de ça. En fait, je peux avoir d'autres trucs après. Qu'il est isolé. Genre ta tombe. Elle fait peur un peu. Ah, des gnignés. Super. Putain, j'en ai pas une qui tombe. Un combat médiocre. Mais une mort admirable. J'aime bien, je coupe de 10 coups de loin. Un peu de pèse. Encore une petite chaise ici pour essayer de se... De réavoir des mules, hein, parce que les mules, c'est pas tout ça, mais c'est pratique quand même. Pas une vie de mourir tout le temps. Meurs toi. Et encore l'araignée qui va venir me faire des bisous là, je pense. Mourir, c'est rigolo. Ah, meurs. Effectivement, tu meurs. Ouais, tu meurs. Ah, c'est pas mal ça, ça refile de ça refile d'huile, rigolo. Rigolo, rigolo. Par là-bas, y'a que dalle. J'espère que t'as de l'argent. Je te pas gratuitement. Hop. Un peu de loot, on va prendre le loot. Toujours la même strat, hein. Le loot, c'est la vie. 3, 9, 1, 2, 3, 9. Ok, et toi ? Meurs. Eh bah parfait. Toi, j'ai dit tu meurs. Non ! Ah putain, il fait mal. Alors c'est comme ça. Il est où ? Mourir, c'est pas mon genre. Mourir, c'est pas mon genre. Une victime de plus. Ah, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même voix que Duke Nukem, Duke Nukem Forever. Ouais, toi tu vas mourir, par contre toi tu vas mourir. Je rate jamais ma cible. Flamme maléfique part en direction des ruines sur la colline. Hop. C'est mouru. Ça y a pas besoin de mule. Je prends. On se stuff, hein. On se stuff. Oh, frère. Meurs. Ouais, ouais, je... Plante redoutable. Qu'est-ce qu'on aime entendre 25 fois la même phrase. Ah, alors, oui, j'ai rouvert mon truc à côté, sauf qu'en fait, il y a le live qui tourne, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout même je dirais. Attendez, j'ai un problème à base de toi, il faut que tu fermes ta bouche. C'est parti. Hop, on avance, avançons. Je me rends compte qu'il faudrait quand même que je range mon bureau. Hein. Ça peut être bien. Ça c'est l'huile. Oh, étalon du cul. Un étalon du cul fait appel à... Son sabot royal dévastateur. D'accord, là t'es en cul, mais dis pas ça, votre majesté. Un peu de stuff, on va pas dire non, parce qu'en fait le deuxième l'arme 2 que j'ai elle est naze, hein, celle-là. Non, c'est celle-là qui est naze. Plus de dégâts. Oh, ça c'est peut-être rigolo.
C'est un coup par coup, mais ça part plus droit. Ok, ça c'est mieux. C'est mieux pour la distance. Oui, bon choix étalon du cul. Sa Royale Majesté dit que vous devez trouver le tome du destin et lire à voix haute le credo de la main du destin afin de pouvoir accéder aux reliquaires sous les ruines. J'ai vu le jaune. J'ai vu le jaune. I know level design. Jaune veut dire va par là, joueur. Quand tu as la flemme de faire du bon level design. Ah mais ça te fera assez mûr. Je commence à prendre mes marques, question de violence. Ah, j'ai choisi vraiment le pire des, la pire des voies quoi. On t'a dit que tu meurs en fait. Je prends ça, merci. Un peu de stuff. Oh, un sniper U. Et même un petit dé. La chance me sourit. On va tout prendre et au pire on vendra de toute façon. Toi je t'ai pris, ouais. Ouais j'ai pris. Là y'a rien, là y'a rien. J'aime bien mon arme secondaire, elle est assez chouette, elle marche bien, elle permet vraiment de tirer à distance. Tout cool. Par contre, ouais, c'est vraiment un sniper, elle recherche très longtemps. Hop. Oh non, tombe pas, tombe pas. Vraiment une espèce incroyable. Non. Les araignées, c'est pas ouf, hein. Ah bah, araignée, quoi. Là, t'es mort. Il y en a encore là en bas. Ouais. Meurs, meurs, meurs. Hop. Là, c'est un petit shield. Oh, inventaire plein. L'inventaire a bel et bien une limite. Ok, bon, on va vider des merdes. Vider toutes les merdes qui ne servent à rien. Comment je jette? Ah. Je ne peux donc pas. C'est un échec. Oh putain, vraiment le bleu. Tu vois comment ça finit? Hop. On va pouvoir monter par là. On va bien voir où est-ce qu'on arrive et par où est-ce qu'on arrive. J'aime pas trop ce que j'entends là. Hé, hey, qui va là? Votre voix résonne dans les ruines sordides. Aucune réponse. Je me dis, un vrai JDR dans l'univers de Tiny Tina, ça peut être quand même particulièrement glorieux. Un petit chest. On va pas dire non. J'ai bien envie de faire du JDR en live à un moment. Bon, il y aura pas le budget de... Ah putain, un mimique de merde. Du stress. C'est juste un mimique. C'est pour ça que je tire sur tous les coffres, par sécurité. Qu'est-ce qu'on a là? Ça va, ils sont pas aussi chiants que les mimiques de... Merde, Neon White. Dans son agonie, le mimique dégobille le tome du destin tout gluant. Ah donc j'avais pas le choix de le buter. Mais merde, j'ai vu mimique là. Vous devez le lire à voix haute sur l'autel dehors. Mon ennemi juré. La lecture? À voix haute. À voix haute, pourquoi? Pourquoi il n'aime pas le à voix haute? Il est bizarre, hein, il est bizarre, hein, il est spécial notre copain. Hop, il y a un peu de loot par ici. Et même il y a un dé. On peut dire non au dé. Plus il y a de dé, meilleur sera le butin. Hop, un peu de loot. Hein. Votre baraka a augmenté, je sais pas ce que c'est. Mais... Placez le tome du destin sur le pied d'escalier et lisez le credo de la main du destin. Le destin ne nous divise pas. Il nous rapproche.
Ouh, j'aime bien ça. Le destin nous rapproche. Je vais le mettre sur mon profil Twindle. Tu y crois vraiment, Tina? Quoi? Non, c'est des conneries de fantaisie. Mais bon, d'un côté, le destin nous a rapprochés. Pour l'instant, ça, le jeu est sympa, il nous met quand même pas mal de checkpoints. Ensemble. Ou pas, on s'en fout. Hop, du loot. Ah, c'était l'étendue du cul qui descendait avec des potes. Oh, tu m'as rattrapé, pauvre naze. Mais bon, ça changera rien pour toi. Waouh, ça fait mal. Je mal. Ça me rappelle une certaine fable de Sea of Thieves, ça. Ce qui passe au-dessus, à chaque fois, je me la prenais dans la gueule et je crevais comme une grosse teub. Tu vas pas me faire tout. Feu de joie! Mon champi adore coller des lions. Non, je m'en lasserai jamais. Et vraiment, la prochaine fois que je peux, je change sa voix, elle me saoule. Ah, voilà ce qu'on veut! Ta gueule! Ah, la voix est trop chiante. Tac. La butte moisie est remplie de pourriture et de mâche à mort. Ça sent le mal et les ténèbres, et c'est outrement dégoûtant. Merde, ça me donne envie de gerber. Ah, un peu comme la chambre de Valentine. Alors, en moins pire. Ça tire tout ça forcément parce par qu'une fois j'ai fait macérer du vin de ketchup. Du vin de ketchup, frère. T'as l'air con comme une con comme un balai, toi. Meurs. Ok, il va pas me péter dans les pieds, c'est bon. Ok, bon. On avance. J'ai réussi 4 fois, c'est pas vrai, c'est pas. Spoiler, ça n'était pas un truc de chiant. Une simple question de géométrie. Si vous prenez une flèche dans le genou, vous êtes déchiré. Ah, une petite préface qui rime, c'est rigolo ça. C'est rigolo, une petite préface qui rime. Meurs. Je vais sûrement tenter Skyrim dans le train demain. J'ai toute la magie qu'il me faut. N'en tombe pas, c'est bon. Là-bas, il y a quelque chose et ça m'intéresse. Moi, j'aime loot. N'oublie pas que j'aime. Ah, un dé. Un nouveau dé. Mais j'avoue que là, en ce moment, je suis très typé fantasy et tout. Là, ah non, ah ça va. J'ai bien envie de jouer à Baldur's Gate, j'ai bien envie de jouer à. Bon, j'ai dit Dixit Fantasy en tirant sur des arbres dans un FPS bien bourrin, mais bon. Voilà. C'est pas ceux qui pètent? Non. Faut que je vois si j'ai pas un truc meilleur pour cette arme là, parce que c'est vraiment celle que j'aime bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu me plais bien? Dommage que t'arrêtes débile et toi, elle est crevée. Je rejoins un appel à passer. A plus. Ok, j'ai de quoi vendre. Allez, on va vendre des merdes. Ah, vous venez faire vos emplettes? Non, vendre. Déjà, vendre. On va vendre plein de merdouilles. Merdouilles. Quelqu'un pourra sûrement en faire un soc de charrue. Merdouille, merdouille. J'ai pas laissé ça au fond d'un donjon. C'est un peu amoché, mais ça fera l'affaire. C'est un peu amoché. Merdouille, merdouille. Sale sniper, oui. Toi, j'aime pas. Sniper, je dis pas non. Toi, je te mets pas. Toi, on va garder. Toi, tu peux dégager. Toi, tu peux dégager. Ça part à la fonderie. Tac. Regarde ça. Ok. Donc, ce que je veux, moi, c'est des armes. Ok. Au vitesse d'attaque. Ok, non. Ce que je veux, c'est plutôt un truc qui. Ah, j'ai pas des bons trucs en fait. C'est que des trucs nobles. Avec ça, vous allez en beauté derrière. Pas besoin de mun. Ok, j'ai toutes mes munes. Mais il y a vraiment rien qui est sympa. Oh,
esquive, dégâts 24. Pareil. Par rapport à ce que j'ai d'équipé. Score d'objet, moi c'est, c'est celui-là, le cleave. Moi c'est celui de droite que j'ai. Ouais, celui de gauche est mieux. Hein. Ouais, mais de presque rien, fait chier de payer si cher. C'est ça, dégagé. Oh, ouais, et à nouveau, normalement, il y a un nouveau truc du jour. Ah, ça, ça peut être rigolo. Dégâts, 5 x 2. Caravan casse. Deux missions partir. Zoom de l'arme, 5 x 3. Chargeur limité, l'arme chauffée finit par casser. Tir avant casse 2. Mais c'est tout naze. C'est tout naze. Ok, c'est tout dobé. Ah. J'ai pas vu le truc. Une petite seconde, le temps que j'augmente la tension dramatique. Ça va être un peu plus rigolo ceci. On va rendre les choses intéressantes. Imagine un Je te donne un point pour l'effort. Un tout petit point. Aïe, 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 non, non, non. J'ai pas encore des munes, ça va encore. Est bien, je peux spammer ça. Okay. Est-ce que le son est bon? Le son a l'air un peu très bon. Hop. Bah, le boss est pas si difficile que ça. Trop hâte de lancer des sorts. Aïe, ah ok, j'ai un dit. Je retire tout ce que j'ai dit sur le boss, c'est pas si difficile que ça. Ça commence. Ok, le boss est pas si difficile. Porte et rebord. Le okay. Corps sans vie de son boss s'effondre et sa majesté refait surface. Étant du cul. Bonjour, étant du cul. Votre brute attitude ont impressionné la reine des Belgorod. Elle va désormais vous donner accès à la salle sacrée renfermant la lame des âmes. Ouais, la lame des âmes. Live. Alors, juste par contre, j'aimerais bien changer ça. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux dans mon inventaire? Bah ouais. Plus c'est vampirique. Ouais. Vas-y, ouvre-nous la porte, étant du cul. Je me suis foutu le pied. Hop, je prends la lame. Et donc là, normalement, j'ai une lame. J'ai la lame des âmes. Rien du tout. Oh, mais c'est bien ça! Bravo! Nom d'un skag purulent! Comment on tue cette zombinette pour de bon? Donne-moi la lame! Tu sais même pas t'en servir! Il faut la charger avec de l'énergie spirituelle qui provient uniquement de précieuses reines et de l'âme des êtres vivants. Ce qui est marrant, c'est que dès moi, que t'es dedans, t'es positionné. Une âme pas loin qui aurait bien besoin qu'on l'absorbe. File-moi cette épée! Elle est même. Hein? Non, pas comme ça! Non! La lame des âmes tombe bruyamment au sol! Comme ça! Et maintenant, rapportez la lame à Sabot Ardent! Un portail de ville s'ouvre. Hop! Et on peut retourner. Trop bien, on a un petit TP back. C'est rigolo le TP back, ça fait plaisir. Puis la pop à la pop. La pop à la pop. Et la pop à la pop. Elle dit que vous devez apporter la lame à la fontaine de la place de la crinière. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un endroit qui craint. De cheval. Une clé squelette. Un de cheval. Ouais, je l'ai dit. Ça va, les textures n'ont pas du tout du mal à charger là. Allez, encore. Tu peux faire mieux. Tu peux pas faire mieux, on dirait. Tu l'as vu ici, non? La carte. Oui, je suis déjà venu.
Hop. Ah, te voilà, mon fidèle. Vous placez la lame dans la fontaine et une vague d'énergie spirituelle la traverse et se diffuse dans la vie. Ah, et la ville est sauvée grâce au pouvoir de l'amitié. Les maisons se reconstruisent. La foule vous acclame, vous. Ah, on vous aime, main du destin. Ah. Merci. Moi aussi, je m'aime. Quoi, c'est toi? Oui, on arrive, étalon du cul. Étalon du cul vous dit de regarder de ce côté. Elle vous a réservé une petite surprise toute spéciale. Elle est où? On arrive. Ah, j'arrive, étalon du cul. Qu'est-ce que tu veux montrer, étalon du cul? Ah, ah. C'est la représentation parfaite de mon immobilité totale. Ah, bah c'est moi. Au travail, main du destin. La ville est hors de danger et à l'abri des raclures. Maintenant que le siège est levé, faites donc un tour des environs. Vous devriez commencer par aller voir la forgeronne. Ok, il y a juste ça qui traîne, mais pourquoi pas. La forgeronne. La crinière. Forgeron là-bas. Bah j'aime beaucoup la DA en tout cas. Bon, vous savez bien que les textures chargent. Qui sait? Ah. Je vois rien. J'ai de la suie dans les yeux. Pareil que je suis le miracle de Sabo Ardent. Ben ça alors. C'est la première fois que je croise une main du destin. Ça je prends. Il va vous falloir du meilleur matériel. Ouais, je sais. Bon, je ne peux pas vous vendre d'armes ou d'armes moi-même. J'ai un contrat d'exclusivité avec la couronne pour alimenter les distributeurs. Oui, je suis fier d'appartenir au complexe militaro-pré-industriel. Mais je peux vous proposer d'optimiser votre inventaire. Plus de balles, plus de butins, plus de joie. Un petit échantillon de mes services, c'est moi qui régale. Ouais, vas-y, balance. La force est votre meilleur allié. Elle affûtera vos talents. Ah. Le stockage, banque. Du stockage, sac à dos. Moi, je crois que je joue principalement avec ça, donc là, hop. Ah, c'est 3000 ensuite. J'aimerais bien mon sac à dos. Hop. Ah, un très bon choix. Hop, on a maintenant, tout ça. Puisque vous êtes dans le coin, passez donc voir la charmante nana qui tient la taverne à soda. Elle s'appelle Izzy. Et ses sodas sont à tomber par terre. On va aller voir Izzy. Allez, c'est parti. Pardon, je baille. C'est Chupra. Chupra. On reste en rafale deux coups. C'est pas rigolo. La tenancière vous fait signe d'approcher. De ce petit geste caractéristique des tenancières. Bien le bonjour. Bienvenue au bar à bubules, où l'on ne peut commander que des sodas et rien d'autre. C'est un délire de Panitina, ça. C'est bien vous, la main du destin, qui a banni tous ces maudits squelettes? Eh oui, c'est moi. Je vous confirme, ils ont pas fait de vieux os. Ouais, bah je vous remercie pas. La moitié de la ville s'est barricadée ici à descendre des diabolos grenadines comme si demain n'existait pas. Je vous fais marcher, main du destin. Vous nous avez rendu un fier service. Bref, pour vous remercier d'avoir sauvé la ville, je vous donne accès aux équipements de notre taverne à soda. Voici un kiosque modif éclair magique. Si vous souhaitez modifier quelque chose vous concernant. Bizarrement, c'est gratuit. Oui, je veux changer ma voix. Je veux changer ma voix parce que j'en ai marre. Je suis tellement adorable. Je n'ai même pas les mots. Enfin, si. Magnifique. On peut être héroïque et avoir du style. Ta gueule. Mon aspect gagnerait à être peaufiné. C'est plus rigolo déjà. J'ai beau être une grosse brute.
Une transfiguration s'impose. Tant de beauté pour un seul corps. Ok, tu saoules, regardez en bas. Transhumanisme. Hop. On va devenir bizarre. Par ici. Et ici, nous avons le très populaire collecteur de butins perdus. Les meilleurs objets lâchés par vos ennemis et ayant échappé à votre vigilance apparaîtront ici. Et pour finir, on a tout un tas de citoyens qui pourraient avoir besoin de votre aide dans le royaume. Certains traînent justement dans la taverne, et d'autres collent leurs annonces dans la ville. On grouille de monde, et je tire des pintes sans alcool à la chaîne depuis ce matin. Oh, mais je vous tiens la jambe alors que vous avez tant à faire. Je vous souhaite une pétillante journée. Donne le loot. Main du destin, j'ai une surprise pour vous. La reine est tellement épatée qu'elle veut vous adouber. Vous faites pas semblant, vous. Rejoignez-nous, place de la crinière. Bon, on a fait la quête des villes de Valentine. Oh. Maintenant, on va piller la région parce que je veux du but. J'ai pas lu. Pour votre courage et pour avoir sauvé Sabot Ardent, Sa Majesté la Reine, étalon du cul, vous nomme chevalier de son royaume. Oh oui, messieurs, étalon du cul. À genoux, qu'elle vous adoube. Bien évidemment. Pas si vite, Bleuzaï. Ce monde m'appartient désormais. Oh non, éteins-le du cul. Eh ben, so long. Non ! Il l'a tué ! Quelle tristesse. J'en ai assez qu'on écrive mon histoire à ma place. L'ère des héros touche à sa fin. Rip la licorne. Et bientôt, tout son monde s'écroulera. Il était pas censé être pas si méchant que ça, lui. Non, c'est pas possible. Il manque à ce cheval. Est morte. Eh oui. Étalon du cul. Non. Comment t'as pu, Gina? T'as même un peu drôle. Étalon du cul. Non. Prends ça, c'est pas mal. Je sais pas, moi, c'était pas prévu comme ça. Laissez-moi réfléchir vite, vite. Elle comptait vraiment te resservir le sempiternel même périple des héros. Eh bien, pas cette fois. Cette fois, j'ai mon mot à dire. Qu'est-ce que c'est ? La main du destin est perdue. Ce qui, jadis, semblait si certain apparaît à présent fragile et précaire. Et pourtant, parmi les décombres, une vérité demeure. Il faut arrêter les forces du mal. Oui, on veut tuer les forces du mal. Alors, un gros boom des familles résonnent. Bon, on fait quoi maintenant? Ça vient de derrière les quais. Allez, main du destin. J'ai bien peur que vous ayez du boulot. Non, tu crois? Elle m'aimait de tout son cœur, scintillant. Elle me manque tellement. Mon chef, frère. On se fera peut-être Dishonored 2 en live ensemble aussi. On verra. J'avais fait le 1 tout seul, c'était bien. Oh non. La pyramide s'est réveillée. La pyramide. Il va me falloir davantage de détails. La terrible citadelle du Seigneur Dragon, de l'autre côté de l'océan. Avec la lame des âmes, il va pouvoir aspirer l'énergie spirituelle de tous les êtres vivants. Eh ben, je le ferai, on verra. Sur peut-être après Tanitina. Sans la reine, nous sommes condamnés. Hé ! Demande-lui si l'adoubement est toujours d'actualité. Fred !
On est en deuil, là. Toi, tu es en deuil. Moi, je veux qu'on me fasse chevalier, comme promis. J'ai bien l'intention de faire le deuil en arrachant mes vêtements et en hurlant de douleur. Mais est-ce qu'il y a toujours une chance que je me fasse adouber? Seule notre reine avait le pouvoir de nommer des chevaliers. Mais vous méritez une distinction pour ce que vous avez fait et pour ce qui vous attend. À genoux. Je peux pas le tirer main dessus. Du destin. Ou accroupissez-vous si vous avez de l'arthrose. En tant que défenseur régent de Sabot Ardent, je vous nomme page du royaume. Page ? Non, en vrai, mais il est méga stylé quand même, Mike. Hein. Je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Oui. Votre prochaine quête va consister à sauver le royaume tout entier. Rien que ça. Rejoignez la pyramide, reprenez la lame des âmes et vengez notre reine. Donc l'eau, ça one-shot. Il va falloir un navire. Allez voir la maîtresse de port. Elle mettra toutes nos ressources à votre disposition, main du destin. Squelette, droit devant! Bonjour. Il va peut-être pleuvoir aujourd'hui. Hé hey, bonjour à vous, page du royaume. Salutations. Nous avons besoin d'un vaisseau. Déjà plus joli. Ne me demandez pas pourquoi. Construisons sans tarder. Venez assembler votre nouveau navire ici sur le quai. Et de la personnalisation de navire. C'est le plus c'est beau navire de toutes les mers. C'est une épave. Si, si, aussi, là, n'importe c'est parti. Quoi. Ah, non. Je vais baptiser notre fier navire Balzania. Attendez! Avant de partir, vous devez faire bénir le bateau par un barde. Ça empêchera Drill, l'étreinte des mers, de vous attirer tout au fond des flots. Sérieux? Mais on était prêts à prendre le large, on s'en fiche des malédictions marines. C'est comme ça que ça marche, basta. Si tu suis pas les règles, tu te feras engloutir. Malheureusement, notre barde d'astreinte a disparu pendant l'invasion. Puisse-t-il jouer à jamais sous le ciel sans étoiles de la nuit éternelle? C'est vachement plus rigolo. Ah non, pas du tout. Il est tombé amoureux d'un squelette et a filé avec. Une seule autre personne est capable de bénir votre navire, mais ce n'est qu'un demi-barde. Enfin bon, c'est peut-être votre seule chance de traverser l'océan. Oui, il est où? La dernière fois que j'ai vu le demi-barde, il partait vers la fraîcheur des sanglots. Ses bois sont implacables. Trouvez-le! Enfin, s'il est encore en vie. Oh, la fraîcheur des sanglots. Ça a l'air dangereux. Ça me plaît. Notre fière Balzania ne craint pas les malédictions. Levez l'ancre! Ok, mais on va couler à pic. On va barre rejoindre la fraîcheur des sanglots. La fière Balzania quitte le port! Ah bah en fait j'ai mal compris. Si la proue pointée vers votre destinée, vous commencez votre traversée pour... Oups, non, vous avez coulé. Aïe. Donc en fait j'ai mal lu et je vous avais bien expliqué l'importance de la bénédiction du barde, n'est-ce pas? Ok, ça va. On va le trouver, votre barde. Mais après, cap sur la vraie quête pour aller sauver le monde. En attendant, je vais envoyer les gobelins remonter votre embarcation du fond du port. Trouver un bordre, rejoindre la fraîcheur des sanglots. Parfait. Alors ça, je sais pas où c'est la fraîcheur des sanglots, mais... Comment je peux m'y TP au pire? Comment ça marche déjà le TP? Pas toi, Paul. C'est pas toi le TP? Il est où le TP? Ça ressemble à quoi un TP déjà? Comme ça. C'est bon, ça a marché? Je vais aller là. Ça marche. Si l'on monte charge. Retour à la carte du monde. C'est longtemps que nous ne l'avons pas vu. Allez, continue. Oh non, on va pas encore se refaire ça. Hein. Oh, j'ai la flemme. Il y a combien de quêtes annexes? Salut la groupie! Je dois publier sur ma chaîne. Moi, c'est Belvédance,
première influenceuse de l'histoire. En d'autres termes, je suis belle gosse professionnelle. Puisque mes fans rêvent de me voir, tu vas graver mon portrait sur des rochers. Vraiment, c'est ça la quête. Bon profil. C'est vraiment ça la quête. Mort à la croquette. Oui, c'est moi. Chais, t'as essayé de me choper, t'as pas réussi. Chais, hey, vous, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Aidez-moi à faire avancer la science. Le progrès n'attend pas. Mes frères pensent qu'ils peuvent parfaire l'alchimie avant moi. Mais mes expériences à répétition ont eu raison de mon chaudron. Allez extraire du plomb dans les montagnes pour que je dame le lion. Pardon, à je baille. Je baille, fatigué. Super pose. Mes fans vont trop kiffer. C'est pas mal qu'on puisse juste switch de quête avec deux touches. Vous voyez un artisan qui a l'air préoccupé. C'est quand on s'apprête à être occupé. Non, pas du tout. Tu veux parier? Je suis bigrement préoccupé. Ah, j'ai la flemme d'avoir toutes les quêtes là, la con. J'aimerais bien monter là-haut. Ouais, mais en fait, je peux pas y aller, donc cette quête, je peux pas la finir en fait. C'est où ça? Flemme. Flemme, on va continuer ça à barder. Hein. 25%, mais ça on a déjà fait. Tina, t'as fait tomber un biscuit apéro sur le plateau. Quoi? N'importe quoi. Il est juste là, en plein devant notre personnage. Qui te dit que c'est un biscuit apéro? C'est un curly. Désolé, c'est un curly, vraiment, c'est un curly. Du ciel, il y a des millénaires. Et elle a une serrure. Donc, vous devez vous taper un donjon que j'avais clairement préparé à l'avance pour récupérer la clé. Bah voyons. Allez, on va se faire un petit coup de combat, un petit affrontement, c'est y part. Parfait, voilà. J'avais peur de pouvoir y arriver. Admirez mon donjon totalement préparé. La clé doit être à l'intérieur. J'y crois pas une seconde. Ouais, non, mais les... c'est des... Je sens la peur meurs, en fait. Ouais. Meurs. Toi, meurs. Et là. Avec des zombies saines, tu racontes quand on dit que tu meurs. T'arrêtes de tirer sur mon familier, toi. Je profite de mon dernier soupir pour maudire. Tu meurs. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Meurs, je dis, meurs. Hop. Jamais tu ne triompheras. Je ne triche pas. Hop. Je meurs encore. Hop, ça je prends le loot, hein, on va pas se mentir. Parce que le loot, c'est toujours bien. Pas déconner, le loot c'est la vie. Il y avait certains fans de Kamo qui disaient oh non, c'est pas le loot, c'est le gras. De tuer mes ennemis. Ouais. J'aime beaucoup taunt les fans de Kaamelott parce que comment dire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les fans de Kaamelott sont pour moi un petit des, la team des plus gros forceurs de l'univers. Et ont tendance à me saouler. Tout mourir tout le temps. Oui, on a déjà entendu cette. Ah, il vaut mieux que je sois proche. Meurs. Hop. Les vivants. Hop.
Mais si vous aimez, enfin si j'ai bien envie de reprendre un peu les lives sérieusement, et je pense qu'on va se faire des, à la fois des gros jeux et des petits jeux en live. Et j'ai recommencé à sortir mes VOD sur YouTube. Parce que voilà. Son destin est entre des mains plus sombres désormais. Ça, je prends. Il est où la fin ? Il est là. Mais ouais, on va se faire un peu des lives régulièrement. Parce que moi j'aime bien les lives, c'est rigolo. Du loot, et on se casse. Est-ce que j'ai la clé ? Ah ! Vous avez atteint la salle finale ! La clé météorique est gardée par un gros méchant ! Tu improvises, ça crève les yeux ! Ouais. C'est un MJ quoi ? Mon corps là. Mais c'est pas ça. Il va vraiment falloir que j'améliore mon arme. Je vais tout péter du cul. Inspire profondément. Continue ainsi. Les ennemis semblent ne pas pouvoir te résister. Les munes, elle a rechargé au moins, mais. Elle fait pas beaucoup de dégâts quoi. Hop. Un peu de heal. Faut qu'il va le buter tout seul. Là au-dessus, il a pris du. Mourez. Allons chercher la clé qui ouvrira la serrure du biscuit. Ah, ça y est. De la météorite antique. C'est du biscuit apéro. Je suis désolé, c'est du biscuit apéro, hein. Hop. J'ai la clé et on peut se battre. Ah, la clé du biscuit apéro. Ok, on ouvre la serrure du biscuit apéro. Vous insérez la clé dans la serrure et la météorite antique se met à léviter avant de retourner de là où elle venait dans le ciel. Dans sa bouche. Tu comptes vraiment pas admettre que tu l'as fait tomber sans le faire exprès, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Si ça se trouve, il y a un morceau de sanctuaire dans ce donjon. Terminer des quêtes secondaires. Oui, c'est cool. Hein. Les ennemis sont niveau 11 ou plus. Vous êtes au moins deux niveaux trop bas pour la fraîcheur de sanglots. Là, il me dit vraiment, va XP bâtard. Punaise. J'espère que vous n'aviez pas l'intention de traverser la rivière. J'étais venu réparer le pont, mais des vauriens m'ont volé mes schémas de construction magique avant de se terrer dans leur grotte lugubre. Vous pourriez les récupérer pour moi. Bah, on fait de l'annexe, hein. Ça me saoule vraiment quand le jeu il te dit « Ah, vas-y, fais de l'annexe !» Et je me dis « Mais non, je veux faire du principal !» Nien. Pardon, je réponds à des messages. Hop. Allez, un petit affrontement. Vraiment, si j'enchaîne un truc comme ça, c'est roux. Les schémas de l'artisan sont là-bas. Ah putain, je voulais enregistrer une vidéo. Oh, j'ai oublié. Et bah, j'enregistre ça. Vraiment, je voulais faire plein de trucs aujourd'hui et j'ai fait la grosse fléma, ça rien foutre pour profiter un peu des vacances. De me porter au nu. Rien du tout.
pas ma valise quoi, mais. Du plomb pour ton argent. Meurs. Génial. Plus besoin de rembourser mes crédits. Ok, ça, ça. Ok, première fois qu'on entend cette phrase, elle est drôle. Mais meuf, enfin, je suis là. Qu'est-ce que tu te bats? Putain, le passage est bourré quoi. Explose. Une autre ficelle du destin arrachée. Et encore, si la map, si les niveaux étaient générés procéduralement, bon, ça aurait fait ses gros, mais c'est toujours les mêmes. Ah, il explose, est-ce ainsi que je meurs à cause d'une flatulence? Explose, t'as explosé. Meurs. Je préviens. Meurs. Hop. J'ai le droit de dire. Il y en a encore beaucoup. Ça y est, je suis prêt. Bien que le sort est contre toi. C'est quand tu veux. La prophétie avait vu juste. La mort ne peut pas me retenir. Je crois que c'est toi. Je vois qu'il a une lumière sombre. Hop, un petit peu de pampon dans les dents. Hein. Je retourne. Mais il y a trop de trucs, trop de merdouilles là. Ah, intéressant. Ah, peut-être des trucs intéressants en fait, MDR. Je peux emprunter tes viscères. Je ne crains pas la mort. Vraiment, ça fait genre 12 vagues constables. C'est pas intéressant. Moi, je vais avancer dans l'histoire. J'en ai marre de me taper les mêmes affrontements en boucle. Je veux empêcher. Ça, c'est. Digne de ce nom. C'est de la prolongation de vie à la con. Vous approchez des schémas. Super. Enfin. Super. Allez, vas-y. Est-ce que ça améliore mon. Ouais, est-ce que j'ai des trucs mieux? Maniement 91, temps de recharge, cadence de tir. Tire comment ça? Non, c'est naze, c'est tout naze. Hein. Temps de recharge. Ça, ça peut être rigolo. Ah non, ça peut pas être rigolo, ça, en effet. C'est pas rigolo. On va. Toi. Je vais te mettre là, tu veux dire comment? On peut tenter avec ça. Allez, on va tenter avec ça. Et j'ai vu d'autres trucs que j'ai. Pendant ce temps-là, le jeu est bugué derrière. Parce que c'est des trucs qui sont normalement un meilleur score d'objets que mes trucs, mais en fait, ils sont nazes. Chance de. Est-ce que j'ai un truc mieux? Si, mieux. Mais un peu plus de temps à recharger, mais il est mieux. Toi, t'es quoi? Dégâts au corps à corps, plus 2%. Allez, on va le prendre toi. Et toi, j'ai rien de plus intéressant. Attends, 98 et là c'est 93. Tu recharges un peu plus lentement. De toute façon, tu peux recharger plus lentement, j'oublie toujours de t'utiliser. Donc, c'est pas trop mal d'avoir un truc pour recharger. Récupérer les schémas. Oui, d'accord. Merci. Je l'appelle la perforatrice. Et tu vas. T'es où? Ah, oh, c'est relou là un peu. Monsieur le jeu, vous êtes pas fun. Alors c'est ça l'au-delà, serve de leçon. Bah, je vais reprendre mon arme d'avant, elle était vachement mieux que celle-là en fait. Là, c'est pas fun. C'était pas fun du tout. En fait, toi, tu fous la double. Au revoir. Hop, tu me saoules. On va reprendre celle que j'avais avant. Hein. Faire mon crâne pour en faire un saladier. C'est vachement plus sympa. Allez, des ennemis là-bas. J'ai pris ça sur un type que j'ai tué.
Garde-moi une place de l'autre côté. Il est où? Il est là, le débile. C'est l'autre arme qu'on va prendre. Il est où? Nice. Projection de mycotoxine. J'arrive pas à lui en mettre une. Meurs. Vite, okay. Une réplique de mort qui enjecte. Qui ne c'est pas meurs. Moi qui ah, un peu de vite. Je meurs de mon propre jet. Et toi? Il y a du monde chez moi. Ça c'est Noël. Hop. Parent des ténèbres. Hop, meurs. Meurs. J'aurais jamais été en défiche. Et en plus, ça n'est pas sympa. Je vais te tuer rapidement. Oh, arrête de bouger. Meurs. Qu'est-ce qui ressemble à de la magie? Mais qui n'en est pas. Zéro dégâts. Hein. Des flingues. Ouais, tu prends vraiment peu de dégâts, toi. Hein. Il est où celui qui me canarde depuis un moment? Il est là-bas. Je te vois. Ok, ce sera la manière. Géodestruction. Je ne peux plus rien lancer. Meurs et meurs. J'ai dit tu meurs. Voilà. Ah, c'était elle qu'il fallait buter pour finir la vague. Super. Et ben on a fini. Donne-moi les plans. Dis-moi que c'est bon, j'ai les plans. J'ai les plans. Hé, hey, vous avez les schémas. J'ai les schémas. Fantastique. J'aime faire des quêtes annexes à la con. Ça fait au moins deux sanctuaires qu'on enchaîne là. Trois qu'on enchaîne. C'est relou. Mes schémas. Je ne sais comment vous remercier. J'aime ces schémas de tout mon cœur, au sens romantique du terme. Je vis une relation polyamoureuse avec mes esquisses. Allez, réparons ce pont magique, mes amours. Un pont arc-en-ciel magique pour unir le monde. Passez une bonne journée. Super. De ne pas mourir. Hé, hey, salut toi. Tu viens rejoindre notre... Je fais tous les efforts que je pouvais, mais je comprends plus rien à l'histoire. Il y a un méchant. Il est très très méchant. Et comme on est gentil, il faut le combattre. Et il a tué Talon du cul. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai suivi du jeu. Et, le jeu me demande d'être niveau 11 alors que je suis niveau 8, donc j'ai le seul. Pas le droit, allez, vas-y, accepte. La révolution approche. Rejoignez la brigade contre les brutalités faites aux gobelins pour renverser le pouvoir en place. BCBG, BCBG. Ça veut dire bon chic, bonjour normalement. Eh les gars, qu'est-ce que vous foutez? On avait dit qu'on scandait nos revendications. M'énerver. Magro. Ah, les pauvres gobelins opprimés du mont Jabot. Allez les voir et tentez d'apaiser leurs souffrances. Flemme. Comment je monte là-haut? Ah putain, c'est un mimique, sa mère. J'ai évité. J'ai évité le mimique. Ça, c'est cool. Mais déjà, j'ai une quête à finir là. Hop. OMG! Une vraie bombasse! C'est bon, reviens. Ok, on aura cette quête à rendre après. Comment je passe là? Je ne dois pas encore pouvoir. On va aller voir ce mont, on peut l'explorer. Non, mais l'histoire, elle est daubée. Enfin, l'histoire, elle est... Enfin, c'est classique, quoi. Je trouve. Elle est pas mauvaise, mais elle est très classicos. J'ai mal aux jambonos. Un doux parfum de révolution flotte dans l'air. Ça sent bon. C'est joli en tout cas, j'aime bien. Le design est chouette. Toujours. Je trouve la DA vraiment sympa. À part sur la carte du monde où je trouve que c'est un peu chum. Mais autrement sur la carte, enfin, dans le jeu c'est joli. Toi je te prends.
Oh, j'en peux plus. Chaque jour se ressemble. Réveil, travail, sommeil. Réveil, travail, sommeil. J'aspire à autre chose. Les gobelins doivent se soulever. C'est notre seul moyen de nous libérer du joug de Vorkhanar. Vorkhanar. Si cette chose est un vrai dragon, moi je suis un raptor céleste d'antofractal. Ouais, de ouf. Si tu le dis. Allez, on va vendre nos merdes. Toi, je t'aime pas, tu dégages. Toi, je t'aime pas, tu dégages. Toi, je t'aime pas, tu dégages. Vous, j'ai essayé, je vous aime pas. Ça dégage. Ça dégage. Toi, ça dégage. Toi, ça dégage. Ça, je garde. On va les réessayer après. Inventaire. Toi, est-ce que je peux pas... J'ai pas quelque chose qui est plus rigolo. Si. 52 de dégâts. Hop. Hop, du coup. Ah putain, j'ai encore plein de merdouilles. Hein. Hop. Il y avait des égratignures. Si vous insistez. Ça, faut que je le garde. Ça, c'est à moi. Il y a des égratignures. Laissez-moi voir ça. Ça, j'ai déjà équipé tout ce que je voulais avant. Là, je t'ai changé. Et toi, j'aimerais bien regarder le sniper U là. 119. Et il fait 63 de dégâts. Putain, c'est pas mal, hein. 3 secondes de temps de recharge. 6 de taille de chargeur. Ah, c'est pas trop mal le sniper U. On va prendre ce sniper U là. Parce que j'ai un... C'est pas mal là. Ah ouais, c'est rigolo. Et ben on va vendre les merdouilles. Hop, au revoir. Et on va acheter. Est-ce que je ne pourrais pas trouver un truc? Déjà, on va se racheter des mines. J'ai pas un truc qui tire vite. Oh putain, un hélical. Oh, 10 000. Ah, si on trouve rien, on achète ça. Zoom de l'arme. Non, 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 non. 19 dégâts. Et je veux le hélical. Hop. Donc, tac, toi tu prends ça. Ah putain, ok. Il a qu'un seul tir, mais d'un côté il recharge très vite. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi tu tires comment? Précision 75. Alors, il a combien de dégâts mon autre? On essaie de s'améliorer. Hein. Dégâts 18. Faudra un truc qui, quand même, qui tire quand même un peu plus. Hein. Comparé par rapport à ça, dégâts 18. Il a un bon maniement en fait. Et une cadence de tir qui est chouette. Différence de damage est pas si ouf. Hein. Là je peux essayer. On va essayer. Toi je t'équipe, toi je t'équipe, toi je te fous là. Et là normalement. Oh si, c'est bien. Hop. Vendre, toi tu dégages. Tac, on va recharger. Et on peut y aller. Les gobelins méritent d'être libres. Oh, ils sont chouettes, le design des gobelins. Le design des gobelins est chouette. Nous sommes la brigade contre les brutalités faites aux gobelins. Des combattants de la liberté, en somme. Mais j'avoue être contente de ton arrivée parce que j'ai déjà du mal à combattre mes verrues. La liberté gobeline et l'argent m'intéressent au plus haut point. Oh, il y a évidemment une récompense à la clé. Mais on doit d'abord briser les chaînes de l'oppression. Bats-toi pour camarade. Les gobelins et camarade. La tyrannie du dragon dieu Vorkhanar. Un dragon dieu, ça tourne à... Fascinant. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Je suis à peu près quasi certaine que c'est probablement un faux dieu. Allez, viens! Il est temps de libérer mes frères et sœurs gobelins! Ouais. Les quelques braves âmes ayant réclamé leur liberté ont été exilés de la montagne par Vorkhanar. C'est un tyran cruel qui a asservi notre peuple et exige des offrandes hebdomadaires. Ah oui. Si celles-ci ne lui plaisent pas, la punition est... Combien on paraît que la punition c'est rien, c'est juste qu'il pète un câble. C'est des amis ça. Je pourrais enfin obtenir mon piercing de nez des BCPG. Un piercing de nez, dis-tu? C'est
C'est un insigne honorifique que portent les membres titulaires des PCBG. Le conseil doutait de mes qualifications, mais... Pas tu meurs. Ouais, je viens avec toi, mais en fait, il y a des ennemis. On va prendre du loot, hein, quand même. C'est surtout des munes, en fait. C'est des caisses de munes. Donc, en fait, comme j'en ai plein, ça va pas besoin. Le sniper rune, normalement, il va être chouette. Ok, un petit point de TP. Ouais, c'est vraiment ça. C'est des caisses de munes. Ça, c'est quoi là-bas? Je sais pas. Bon sang! L'entrée a été condamnée! On va faire le tour, quoi. Ouh, la zone, elle est grande! Ouh, la zone, elle est grande! Cette barrière est impénétrable. Les gobelins sont fichus. Bon, au moins, on aura essayé. Arrête, Valentine, on va trouver. C'est une énigme à résoudre. Dans le mille et mille. Mais on vient déjà de tirer dessus et de la cogner avec des objets. Perso, je suis à court d'idées, moi. Est-ce qu'on perçoit de la magie? Bien vu. Les mystères de cette barrière apparemment impénétrable vous sont révélés. Mais je suis vos copains. Vous faites quoi, du coup? On suit les faisceaux, évidemment. Je reste ici pour garder un œil sur la barrière. Wow. C'est entendu. Voilà. Je vais m'en charger. Ah, mal. Et te gêne surtout pas pour tuer les gobelins au service de mon canard. Ce sont des sales traîtres qui n'auront que ce qu'ils méritent. Vous apercevez un énorme machin bidule hyper magique. Ça a l'air prometteur. Une autre ficelle du destin arrachée. Ça va, en fait c'est rigolo à jouer le sniper, j'aime vraiment bien. Par contre j'ai 0 HP. Hein. C'est un peu la merde, là je vais prendre du heal qui est là-dedans. Un peu de pèse, hein, parce que du pèse on dit jamais non. Allez vas-y balance le pèse, ça a encore du heal normalement. Et des munes. Il n'y a pas que des munes, il n'y a pas de heal, très bien. J'adore ma vie. Tu vas enfin rencontrer ton destin. C'est qui me tient dessus? Je sais pas. Meurs. J'ai dit meurs. Ok, parfait. Quoi? Meurs. Meurs. Ouais. La première occasion. Et il faut qu'on vienne activer ça. Oh, je sais pas ce que t'as fait, mais la barrière est affaiblie. Bah j'ai tapé dessus. Sans chercher à t'offenser, je présume que des gobelins ne peuvent être à l'origine d'un dispositif si complexe. C'est hyper vexant. C'est vrai. J'imagine que cette maudite machine est l'œuvre de ces maudits oracles trolls qui servent ce maudit Vorkanard avec leur vraiment pas, maudite magie. C'est vraiment pas leur canard. Sont quelque peu redondants. Tiens, la zone est chouette. Je trouve que la zone est jolie. Et je suis bien content que ça varie un peu par rapport au dernier truc que je me suis fait taper. À peu près 15 affrontements. Et c'était chiant. Maintenant, ça va mieux. C'est plus rigolo. Est-ce que la zone est grande là aussi? Est-ce que je pète là? Ouais, c'est là d'où je viens. Ah oui, en fait, moi je suis au nord. Oh, putain, la zone est grande. Oh putain, je suis parti sur une quête annexe. Mais en fait, la quête annexe, c'est immense. Devant vous se dresse un autre truc magique. Y'a plus qu'à le flinguer. Oh, toi, clairement, je t'aime pas. Avec un flingue? Un flingue ou autre chose. Mais j'avoue que ce serait ironique. Oh, pas toi, pas toi. Toi, tu fais mal, hein. C'est où ce qui me tire dessus? Là. Là, là. Aïe! Meurs.
Mais aïe! Je me fais taper le cul. La végétation environnante risque fort de dépérir. Félicitations! Fais-moi penser à te donner une friandise. Ah, quel genre de friandise te fait plaisir? Putain, il sent. Tout le monde aime le sang. Il tire beaucoup en fort, hein. Ok, je vais revenir. Jette sur lui. Ainsi finit la portion mineure de cette œuvre immense. Reviens. Camille est brutal, il fait vraiment mal. Troll de guerre. Putain, mais en fait, mon truc fait zéro dégâts. J'ai usé tous mes emplacements de sort. Volée de flèches. Hop. Prenez-moi. Mets-moi. Toi, tu meurs aussi. Non, encore là-haut, je crois qu'on a tout. On a tout. Bah lootons. Ah putain, là-bas il y a trop de loot. Du loot. Hop, trop de loot. Là il y a Maskinax. Qui me tire dessus, c'est juste l'autre qui se retapait sur moi. On dirait. Hop. C'est parti. Ouais, ils sont mignons. Ils sont plutôt mignons en effet. Juste revoir ça sur le côté. Parce que je me rends compte que je voyais pas le live. Je voyais pas le chat. Et où l'échelle? Je l'ai vu. Elle est là. Voilà. Je pense que je vais streamer jusqu'à 22h et ensuite on ira ce Futex. Le Fatigax. Bam. La barrière est neutralisée. Profitons-en. Reviens vite. Oh. Pas de dégâts de chute, ça c'est cool. Ouais. C'est l'heure de mériter mon piercing de nez. Oui, si tu veux. Quelque chose là en dessous. J'entends comme s'il y avait un dé. Le dé, ça se fait à l'oreille, j'ai l'impression. Hop. Il y en a un là-bas, je suis presque sûr. Planqué là. Non. Je suis juste bourré. Je suis potentiellement juste bourré. Hop. Et j'arrive. C'est parti. Un oracle. Là. Hop, alors pardon, je suis désolé, mais d'abord on va améliorer mes trucs. Et surtout mes stats. Fondement de puissance physique, oui c'est ça, j'ai plus de dégâts critiques. Ah putain, non, c'est pas les dégâts critiques que je veux. Recharge de sort. Non. J'augmente mes chances de coups critiques. Là j'augmente à fond mes chances de dégâts critiques, mais c'est bien, j'augmente mes chances de coups critiques. Un drapeau des BCBG non loin d'ici quand on me pourchassait. Va les chercher. Dès que tu auras les affiches, rends-toi dans la montagne et placarde-les un peu partout. Si les gardes chiourme n'ont pas brisé la volonté des gobelins, ces derniers devraient se rallier à notre cause. Quant à moi, j'ai vu que les gobelins sont allés plus tard. Si vous m'entendez, vous vous relevez. Toi, t'es méchant, je crois. Hop. Moi vouloir faire jet de défense. Mais moi pas avoir.
Ok, c'est drôle. Il y a des bonnes phrases quand même. En vrai, tout n'est pas à jeter en termes de punchline des amis, mais c'est juste là vraiment le truc des squelettes quand on combat 72. Bah, c'est relou. Faudrait que je mette sur OBS, faudrait que je vois pour régler un plugin de. Qu'on s'appelle de passe-bas. Non, c'est pas passe-bas, c'est genre qui baisse le son des autres sources automatiquement quand je parle. Aïe! Est-ce ainsi que je meurs à cause d'une flatulence? Fort bien! Voilà pourquoi tu es de loin mon préféré! Je comprends pas ce qui se passe. Je foute le feu. Toi tu meurs. Tu meurs, j'ai dit. Un canard. Mourez! Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant! Assaut d'archerie! Faudrait que je bind mes sortilèges sur ma souris. Ça pourrait être pratique. Ah putain, j'ai des 12 trucs là. Il y a mon pendant que tu il y a mon familier qui est en train d'essayer de crever. Qui va crever, qui est crevé. Hop, toi t'es mort. Il y a quelque chose d'intéressant là-haut. Oui, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. C'est pas où je dois aller, mais je vais aller voir. 100% il y a un truc annexe, ou un succès, ou une blague. Un peu de loot déjà, j'ai pas loin du loot. Aïe. Du bon rôle de sa mère. Oh oui, du bon rôle de sa mère en effet. Oh, j'ai un anneau. J'ai un anneau. Je crois que j'en avais pas encore. Ok, mais j'en avais pas encore. Il vient de s'équiper tout seul, c'est cool. Et toi, t'es quoi? Tire comment? Oh, c'est particulièrement rigolo ça. Mais je peux pas l'avoir en principal. Hop. Les gens vont échanger les deux. Il faudrait que j'améliore et avoir un équipement de plus. Non, c'est pas à la forge. On ira à la forge s'améliorer. Oh, plein de stuff. Hop, on prend le loot, on prend le loot, on prend le loot, on prend le loot. Hop, du loot. Un peu de loot, de la vie. De la vie et du loot, que demander de plus? Aïe! On va calmer. Je vais tellement canner. Touchez toute votre cible. Je vais tellement canner. Qui a bien pu? Ah, évidemment. Je vais faire renifler mon propre. Hop, j'ai de l'huile. Hop, c'est bon, j'en ai pas besoin. J'ai un truc qui fait bien. Malgré ta petite taille, tu es admirablement létal. C'est bien, j'aime bien comment il utilise mon familier. Hop, retrouver Jar. Je pense qu'il manque un Jar pour faire Jar Jar. Comme fainéant, retournez travailler. Ou moi venir tuer vous. Pap à la pap. Un nouveau checkpoint, c'est cool. On va finir cette mission et ensuite je vous laisserai, je pense. Ouais, c'est bien. Où toi aller comme ça, petit gars? Je prends tous les risques. Oh putain, frère, mais il y en a tellement. Oh, aïe. Au moins, je respawn pas loin. En cas de besoin, meurs. De te tuer, ça te donne le droit de nous tuer.
thorax. Il m'envoie des spuds de l'enfer. Hop. Aïe, 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 aïe. Il est vite, hein. C'est pas encore bon. Hop. Et meurt. Ah putain, mon familier, non. Aïe. Attends, il respawn. C'était cruel de leur part de t'envoyer jusqu'à moi. Aïe. Mon appétueuse camarade risque d'être enchantée. Je sais. Toujours. Hop. J'ai une surprise qui t'est destinée. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Une hache. Oh non, d'un gob! Une arme! Tu sais, j'ai suivi la formation des BCBG, mais j'ai jamais pris part à un vrai combat. Je puis t'assurer que tu possèdes l'âme d'une guerrière. Oh, très bien, connerie, si ouais. Tu le dis. Mais pour l'heure, on va s'emparer des cavernes pour la résistance. Hisse le drapeau des BCBG! Allez, tiens. GTFO, get the fucking out, c'est ça, non? Ne fais pas tout capoter. Écoute-moi, camarade Gobelin. La révolution a sonné. Les BCBG sont là pour vous libérer du joug du grand dieu Morgana. Rejoignez-nous et ensemble, nous le... Énervé, je crois. Oui, c'est ce que je veux. Tout à l'heure, j'ai effectué une reconnaissance et j'ai repéré des prisonniers politiques au village lacustre. On doit les libérer. C'est dit pas. Allons là-bas. Elle est encore grande, la zone. Pour savoir si en fait, je dis qu'on finit cette mission, mais en fait, si elle est immense encore la zone. Putain, j'ai fait que ça. Machin, là. Là, c'est deux zones gauche et droite. Putain, j'ai fait que ça. On va attendre le prochain point de checkpoint et on va s'arrêter. Parce qu'on va pas finir la zone ce soir, je pense. Hop. On va attendre que je le sauvegarde. Le jeu a sauvegardé, je crois. Hop. Retour au bureau. Et on va repasser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On va s'arrêter là pour ce soir. Ça n'a pas été le live le plus long du monde, mais je suis complètement claquos. Et j'aimerais bien me coucher pas trop tard. Donc moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. On se retrouvera sûrement après les vacances de Noël. Salut tout le monde. Mais merci à vous d'être là. Salut !